Et bonjour à tous, c'est Arxon, on se retrouve sur le petit bis parce que c'est bon ça. Alors je précise, un petit défaut de ma part, même un bon au final. Ce qui s'est passé, c'est que sans faire exprès, en tournant ce coup, j'ai voulu faire une vie dans mes vidéos, enfin dans mes séquences. Et sans faire exprès, j'ai effacé ce que j'avais fait depuis du bis, enfin le début de l'épisode. Donc malheureusement, vous n'aurez pas le début, vous inquiétez pas, c'était surtout concentré sur la construction de Jessica en fait, hein, qui devrait pas du tout fini. Donc au final, je vais vous faire un petit briefing de ce qui s'est passé. J'ai terminé la moitié d'ici. Du losange en fait, parce que pour l'instant c'est l'art d'un triangle, c'est un losange en fait. Je commençais à repartir vers le bas, et j'ai pas eu tout fini, hein, faut que je continue jusqu'à atteindre le centre. Tout ce qui est ici, j'ai fait avec un filler, que j'ai déjà montré de toute façon comment on utilise pour ici. Voilà, et après le reste, je vais pas spoiler le reste de la vidéo, c'est vraiment en haut, vous pouvez voir vite fait, il y a des hybrides sur panel ici, ce que je peux remonter. Ouais, il y a le tank qui est là, voilà, tout ce que je montre. Le reste, ce sera du coup en fin de vidéo, quasiment. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que ça va être un peu coupé, vous allez voir un moment. Lorsque je dis au revoir, en fait, je vais pas vraiment dire au revoir, je vais couper ça. Et je vais continuer par une autre séquence juste après, parce que sinon la vidéo va vraiment être très très courte. Et donc du coup... Alors je vais me démarrer parce qu'en fait du coup lorsque ce sera la fin des vidéos, enfin vous pensez que ce sera la fin, en fait ce ne sera pas la fin parce que du coup ça va vraiment être très court. Donc, du coup je vais continuer juste après pour justement voilà faire une vidéo à peu près entière qui dure plus de 20 minutes quoi en fait. Parce que sinon c'est pas super quoi. Voilà, donc désolé du dérangement, j'espère que ça n'a pas trop posé de problème hein. Donc on se retrouve juste après. Et bonjour à tous, c'est Arxon, on se retrouve simplement sur Fit du Beast parce que c'est super bon et voilà, on adore ça tout simplement. Et donc là, du coup, on se retrouve tout simplement dans un petit spawner en squelette, pas très loin de chez moi. Hein. J'ai baissé juste légèrement le son. Voilà, là, nickel. Tout simplement parce qu'on va commencer à faire une petite usine à squelette, pourquoi? Parce qu'en fait, ça sert un peu à beaucoup de choses. Par exemple, moi, je vais bientôt en avoir besoin de squid. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma base, en fait, au début, j'ai essayé de faire ça avec mon épée fortune. Mais malgré tout ce que je pouvais, ça demandait énormément beaucoup trop de farm. Alors au lieu de au final galérer et tout, et au final rien à voir, galérer pour rien presque entre guillemets, parce qu'on a rien du tout après à part la base. Du coup j'ai fait un sort de spawner à squelette avec des soul shards et une soul cage. Et du coup tout simplement en faire une usine, récupérer du mob essence, c'est grâce à ces mob essence, je vais faire spawner des squids ou n'importe quel autre mob. Hein. De toute façon, c'est ce que je vais faire plus tard. Je vais faire spawner quasiment n'importe quel mob. Donc là, du coup, bah, je suis en train de farmer avec une Soul Stealer Cintre que du coup j'enchante. Looting 3 et Reaper 1. Et du coup, bah, je continue à farmer jusqu'au tier 5, quoi. Donc on se retrouve, c'est bon, juste après. Allez, à tout de suite. Tout le monde, alors du coup là comme c'était un peu casse-couille d'aller dans les cavernes et tout, j'ai fait un peu mon propre entre guillemets spawner, enfin comment dire, mon propre enclos à spawner. Donc j'ai tout simplement pris une force wrench, très important, parce que c'est qu'avec ça marche. Donc et après ça du coup j'ai mis, on pouvait simplement démonter les spawners à squelette, donc je l'ai pris. Et j'ai mis dans une espèce de salle, voilà, que j'ai fait en abyssal bloc, ce que c'est assez sympa quand même. Et du coup voilà, 4 sources d'eau, en tout cas c'est classique. Et comme ça bah, c'est quand même plus pratique niveau des squelettes. Il ne m'attaque plus. Et j'ai pu qu'aller fracasser tranquillement. Aussi un truc à ne pas se faire avoir, il faut absolument que la sous-charte soit dans la barre de tâches en bas aussi. Sinon les tiers, enfin les kills n'augmentent pas. Je me suis fait avoir au début je précise. Et d'ailleurs aussi tant que je suis là et justement que ça se pose en même temps à côté. Je vais aussi vous montrer comment faire justement une sous-charte, parce que ça, je ne sais pas, ils vont tout montrer. Donc il faut un petit peu d'unstone, de la glow, juste un bloc, hein. Voilà, de la netherrack, nickel. Donc, ah oui, et un diams. Du coup pour la... Oh tout le monde, alors ça fait un petit bout de temps que j'ai pas tourné sur Fetubis, je précise. Hein. Donc là du coup, alors là j'ai beaucoup avancé quand on voyait sur la pyramide. Enfin sur une pyramide, ça va être à losange plus tard. Et du coup, là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire le sol. D'ailleurs j'ai déjà commencé, comme vous pouvez voir. Et du coup en fait j'ai quasiment fait la moitié. Donc là après je pourrais commencer un peu à descendre. Hein,
Ici, quand tu es dans l'autre sens, que ça atteint le milieu en fait, pour que ça fasse vraiment un losange. Mais je préfère quand même faire le sol pour que je puisse un peu tout déplacer tranquillement quoi. Parce que là, c'est un peu casse-couille que tout soit en bas à chaque fois. Désolé, je suis un peu ennuyé aussi. En fait, j'en sais rien du tout, j'en bats les couilles. Donc là, du coup, juste pour montrer vite fait en fait la vitesse quand tu utilises justement un filler, c'est ça. Allez, fou, c'est d'enlever ça. Voilà. Et après, du coup, ça a spawné. Donc, hop là. Juste pour montrer vraiment la vitesse d'un filler qui est vraiment très pratique. Et vous dites pourquoi t'as pas fait ça, c'est vraiment sur tout le long en fait, tout ici. Mais en fait, c'est pas tout, ce n'est pas automatisable. Ça qui est très casse-couille, c'est que c'est quelque chose. C'est pas une forme, comment dire. On peut faire un escalier, mais c'est pas un escalier qui est toujours le même taille en fait. Ça le problème. Donc voilà, donc là du coup je vais continuer, hein, je vais continuer à avancer tranquillement, c'était juste pour faire un petit briefing. Et on se retrouve bah, juste après. Allez à tout de suite. Oh tout le monde. Alors du coup, pas mal d'avancements sans déconner sur la base. Donc là vous voyez j'ai fait du coup un autre étage. Ça va être pareil en bas en fait. Je vais faire mon leçon, je vais être proposé de 3 étages. Et du coup le voilà le premier. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir en premier étage? J'ai déjà commencé à faire un peu d'imitation comme vous voyez. Ça va être décomposé en 4 salles. Ça va être vraiment le premier étage, c'est vraiment très technique, hein, tout ce qui est machinerie et farm entre guillemets quoi, vous allez voir. Donc on va d'abord avoir la première salle, cette API logistique et machine automatique. Tout ce qui est automatisation des crafts et les crafts en eux-mêmes. Ici nous allons voir tout ce qui est de façon la production des EU, l'énergie EU. Ici on va voir tout ce qui est la production des énergies MJ. Et ici on va voir tout ce qui est fabrication mass fabricator. En fait je sais pas trop quoi mettre ici, donc je vais mettre faire mass fabricator, hein, c'est plutôt bien. Voilà. Donc voilà. Ensuite en bas, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va mettre. Enfin on va mettre des choses assez importantes qu'on va voir au fil du temps de toute façon. Et le niveau qui sera juste en bas, qui sera donc vers ici, hein, ce sera le niveau où ce sera vraiment des farms à arbres et tout ce qui est autre farm en fait, blé et tout le trollolol quoi. Après ce qui va se passer, et ce que je compte faire aussi plus tard, hein, parce que là du coup on commence à voir, ça va être sur les côtés, c'est-à-dire en milieu ici, milieu de l'autre côté, derrière ici là, des chemins qui mènent à d'autres mini losanges beaucoup plus petites que ça, 4 fois plus petites en fait, que c'est ce que je vais faire 4 fois, pour justement faire autre chose, genre tour à mob et tout, enfin c'est plutôt tout ce niveau des mobs en fait. Donc voilà comment on va se décomposer entre guillemets ma tour, hein, enfin mon losange. Par contre, juste un petit problème qui est vachement casse-couille, c'est qu'il va falloir ces niveaux des câbles, je pense que ça se voit. Et du coup, il va falloir que je fasse un mur avec plusieurs épaisseurs et tout. Ça va être très coûteux, je pense, mais bon, ça peut aussi être très bien. Donc je vais voir ça là-dessus. Là, ici, c'est pour la délimitation du mur, enfin, du plafond. Voilà. Donc là, du coup, comme vous voyez, je commence à déplacer. Donc on a quelques petites choses à droite à gauche. Ici, nous avons donc l'alimentation en énergie... 16 U par tick pour justement les machines. Voilà, j'ai déjà quasiment tout automatisé, hein, tout déjà connecté pour automatiser. Là, faudrait que je déplace ensuite les magmatic engines que j'en foute sur toute la rangée ici. Ouais, ouais. Voilà, faut que je fasse des trucs à la gauche, faut encore que je continue. Et bon, voilà, c'est pour faire un petit briefing. Hein. Et d'ailleurs, désolé si l'épisode a pris beaucoup de temps pour justement venir, mais c'est normal, hein, quand vous regardez absolument tout ce que j'ai fait, c'est vraiment beaucoup, ça a pris quasiment plus d'une semaine. Donc voilà pourquoi vous avez eu un peu de temps, un peu de patience avant d'avoir un nouveau épisode, c'est normal. Donc voilà, je vais continuer un peu de mon côté, vite fait, je vais terminer vraiment les déplacements en fait de ma base. Enfin, sauf ça ici, hein, ces deux trucs là, ils sont très bien là où ils sont. Enfin, je vais les changer après évidemment plus tard, mais pour l'instant j'ai pas vraiment besoin. Après il faudrait aussi que je trouve une place dehors pour ça, les MFFS, parce que je ne sais pas trop exactement où les mettre. Je pense que je vais ouais. Je vais trouver un endroit. Parce que un défi qui va être pour ma base, hein, c'est que tout soit vraiment encadré dans le MFFS en fait. Que tout soit protégé. Et ça, c'est un véritable dilemme, parce que c'est vraiment très grand ma base, hein, donc... En plus, vous d'abord que je la finisse, donc qui dit finir, qui dit farmer encore une autre semaine. Donc, je suis d'abord attendre que cet épisode soit uploadé pour ensuite continuer quand même. Parce que sinon, on n'a pas fini, on pouvait attendre l'épisode encore très longtemps. Donc, voilà, c'est pas ce que j'ai envie, surtout. Surtout que vous adorez Fiddlebeast, hein, ce que j'ai vu, donc c'est très bonne nouvelle pour moi, c'est clair. Voilà. Et donc, d'ailleurs, je vous ai pas vu ça encore.
Mais du coup, j'ai déplacé absolument tous les solar panels qui seront voilà, ici. Voilà. En gros, toute ma base, absolument toute, sera du coup fonctionnera au solar panel. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une énergie très très compacte, justement, que je me mette tout en haut, et qui du coup sera donc indestructible et infini en fait. Hein. Ça qui est bien. Après, il faudra aussi beaucoup beaucoup de storage d'énergie pour que ça fonctionne aussi la nuit. C'est tout qu'un calcul à faire en fait, par rapport aux consommations, à ce qu'on a. Bon, je m'occuperai de ça de toute façon, voilà. Donc on se retrouve dès que j'ai avancé. Allez, à tout de suite. Et voilà, tout ça va bientôt être alimenté en lab, donc du coup, bah, je vais faire ça avec vous. Allez hop. Donc on le change en état, d'accord, c'est pas tout ce que je voulais faire, c'est pas grave. Hop là. Un petit coup de levier. Donc normalement, voilà, ça envoie de la lave et ça va donc là-dedans. Mais, ah, ça veut pas voler. Et voilà. Ah, bah là, putain, on en a de l'énergie. Donc, c'est pas compliqué, j'ai fait des rangées de 20 pour bien savoir compter combien j'ai d'énergie. Donc 20, donc on fait 20 x 4. Ça fait donc... Oh putain, j'ai pas envie de compter. Pourquoi j'ai toujours envie de compter dans... Oh, ça fait 80 MJ par tick. Bah non. Qu'est-ce que je fais? Oh putain, le con. Donc, récapitulatif, parce que j'ai mon cerveau complètement à l'envers là. Désolé. Donc il y en a donc 80 en chain, donc on fait 80, donc ça fait 8 x 4, ça fait donc 240. Enfin attends, ça fait donc 28. 32. Voilà, ça fait donc 320 MJ par tick de créer, ok. Donc chaque tick, j'ai donc 320 MJ hein, qui est donc envoyé. Ce qui est quand même pas mal, soi-disant. Hein. C'est pas mal, 320 MJ. C'est enfin c'est même énorme. J'ai de quoi alimenter 3 carry en 100 MJ par tick. Et le 100 MJ, c'est quand même aussi quasiment la vitesse maximale en fait. Donc voilà, les MJ c'est fait. Je pense qu'on va arrêter cette vidéo parce qu'écoutez, c'est fait. J'ai pas vraiment le temps de faire autre chose ce soir. J'aimerais bien vous uploader cette vidéo ce soir. Donc on va s'arrêter là, tiens. Et la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de l'allumateur parce qu'on aura besoin très vite. On va terminer l'automatisation de tous les systèmes. Alors là, pour cette fois, je vais pouvoir 100% automatiser ce que je vais faire, les tesseracts et les énergies cells. Alors ça, c'est un truc super, parce que c'est très casse-cou à faire, mais c'est possible, hein, et justement, je vais vraiment en faire en sorte. Je vais aussi voir, vous allez voir, j'ai fait une espèce de sorte de salle ici, en fait, c'est une salle. En fait, je pense que le thème de cette salle, parce que du coup, ça sera tout ça, ce qui est limité, sera entièrement une salle. Ça sera un peu noir, un noir un peu plus... Tiens, je vais utiliser l'obsidienne. Pourquoi l'obsidienne? Parce que c'est un petit teint violet, qu'en fait ici vous allez voir. Donc toute la salle sera remplie d'obsidienne, mais pas l'obsidienne pure. Obsidienne brique sûrement, ou quelque chose comme ça. Voilà, obsidienne teal, plutôt, ça peut être pas mal, tiens. Obsidienne teal, ou en tout cas quand même assez lisse. Et du coup toute la salle sera remplie avec des verres, bon, tout un bordel. Et du coup tout autour, c'est-à-dire là où je suis en train de tourner, là en fait à l'instant. Voilà, tout autour de ça, en bas, il va donc y avoir des M-Drive en fait, rempli de 64K et tout, vraiment là, un petit trichou, avec des petits chemins, bon, plein de choses en fait que je dois faire qui sont assez longues. Tiens, monsieur Nuxis est là, donc d'ailleurs il est encore dans Skype carrément. Donc voilà, donc du coup, putain. Voilà, et ouais, il est sur Skype, ouais, il entend bien. Niveau du plafond, ça va changer, vous inquiétez pas, parce que là je suis conscient que c'est très moche. C'est clair. De toute façon, je vais faire. J'ai changé de façon le bloc ici. Je vais faire un 5x5 au lieu d'un 4x4. Comme ça, parce que je commence à être un peu rush niveau des de la place ici. Vous voyez, il reste plus grand chose. Niveau des crafts automatiques. Voilà, donc. D'ailleurs, aussi un truc que j'ai peut-être pensé à faire. Que je vais peut-être faire. C'est que vous voyez là, ici, ce que j'ai fait, toute l'installation pour l'essence en fait. Franchement, c'est un. Truc que j'ai pas envie de complètement abandonner non plus, parce que c'est que ça consomme, enfin ça produit vraiment énormément d'MJ par tick, parce que c'est quand même pour chaque engine, c'est quand même 6 MJ par tick en fait. Pour un engine, on peut pas aller au-dessus, pour n'importe quel engine, on peut pas aller au-dessus de 6 MJ par tick. Enfin, c'est vraiment le maximum qu'on peut avoir, on peut même pas rivaliser. Donc pour dire que vraiment, c'est vraiment très rentable au niveau de la place. Par contre, voilà, c'est très casse-couille puisqu'il faut aller chercher de l'essence un peu partout à droite à gauche. Mais bon, ça, c'est un truc que j'aime plutôt bien faire. C'est plutôt assez sympa, donc je vais rester là-dessus. Après, ouais, il faudrait que je fasse parce que, comme je sens que j'ai pas du tout avoir assez de place pour un seul système FFS dans tout le truc, je risque d'en faire deux, en bas et en haut.
il faudra que les deux s'alimentent au niveau des MFFS. Voilà, plein de choses à faire encore, je vais avoir besoin de beaucoup de boulot, enfin beaucoup d'aide peut-être. Je vais peut-être voir si quelqu'un peut pas m'aider niveau la structure surtout. Après je me débrouillerai. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu, hein. Laissez pas mettre un petit like si vous avez bien aimé, un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire, hein. De toute façon c'est fait pour ça, parce que du coup moi je lis absolument tous les commentaires, mais vraiment tous. Je réponds même beaucoup d'entre eux, mais bon, parfois ça arrive que je réponds pas. Ça arrive, j'avoue. Voilà, donc n'hésitez pas de partager, c'est vraiment le plus important, franchement, parce que j'explique vraiment beaucoup de choses assez plus simplement possible, enfin pour moi, hein, j'ai vraiment gaffe à ça. Voilà, tout mon avancement, allez, à plus. Oh ouais, du coup, c'est pas la fin de cette vidéo, désolé, petit fait de ma part, donc du coup, pour que la vidéo soit trop longue, on va donc continuer un peu ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas compliqué, je vais faire ça avec vous du coup pour pas que ce soit trop merdant. Tout ce qui est ici, en fait, c'est pas compliqué, on va le déplacer là-haut. Tout ce qui est machine ici, en fait. Donc c'est pas compliqué. Alors une petite technique, utiliser une force wrench pour les interfaces. Pour certains types de trucs, pour pas vous gourer en fait. Là du coup voilà, ça je peux le casser. Comme ça, c'est pas de problème. Comme les magmatiques sont les mêmes en fait, ça pour la même machine, pour la même utilisation, je peux faire avoir deux interfaces dans la main en même temps, enfin dans l'inventaire, ça change rien. Je ne me gourerai pas quoi en fait. Alors sinon c'est possible en fait. Donc c'est pour automatiser les machines. Donc pour automatiser, nous allons donc mettre ici. De toute façon je sens que je vais décaler plus tard parce que du coup ici c'est beaucoup trop proche d'ici. Donc si je vais faire un mur, ça va être complètement pet boule. Donc voilà, en fait le mur c'est que je passe. Ouais, ça va vraiment être pet boule par contre pour ce qui est du mur, parce que c'est que ça c'est super. Attendez, voilà, c'est mieux comme ça. Je vais voir ça, donc en attendant je vais décaler un peu. Je vais mettre ça comme ça. Ça. Non, je vais prendre qu'un seul en fait. Du coup je suis armé avec vous. Voilà, donc oui, on a encore les trucs dedans, mais rien du tout dans celui-là, donc voilà. Plaque dans le cassé en fait. Par contre dans celui-là, voilà, il y a déjà les crafts. Tout est resté dedans quoi, c'est ça qui est bien. Hop là. Donc on va continuer tranquillement. Alors, voyons voir. Ici donc nous avons un liquid transposer qui lui sert en fait à transposer, je respecte du coup en même temps, les liquides dans un objet. En fait quand vous prenez un liquide, on insère un liquide dedans et on peut l'insérer dans quelque chose, donc, par exemple une canette, plein de choses au final. Hop là, on met ça surtout à côté du. Moi j'ai pas fait ça. Attends ici. À côté du magma crucible pour qu'ils s'alimentent entre eux, hein, c'est le but. En fait, vous allez voir plus tard, je vais faire un petit système, ça va être très très simple. Voilà, attendez. Je vais terminer ça vite fait et après je vous explique très clairement. Donc là, du coup, est-ce que je fais une petite ellipse? Sans déconner, j'hésite. Allez, je prends tout ça à la wall again. On va bien voir après. On va faire au pif, ça va bien marcher. Pas fonctionner comme ça réellement, sinon on a des problèmes. Hop là. En tout cas, pas tout le temps. On peut s'autoriser de temps en temps, comme j'ai fait à l'instant. Putain, mais allez-vous sortir là. Voilà, donc ce câble normalement disparaîtra. Hein, c'est un peu moche pour l'instant, je l'avoue. Et si ça sera pas bien l'entrée 3x3. En fait là d'ailleurs on peut voir des petits chemins en fait. Et ce qui va se passer c'est que ici, ça va pas être l'entrée. Enfin ici ça va être l'entrée, vous voyez qu'il y a des chemins plus longs et des chemins plus courts, c'est normal. Ici ça va être une grande fenêtre qui va être ici un peu en rond ou peut-être en carré un peu, je vais voir. Et du coup on pourra voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, les deux côtés et pareil de l'autre côté ici. Alors que pourtant ici ça va vraiment être les entrées pures et dures, on peut voir que peut-être un ou deux câbles qui y passent en fait par contre. Et du coup c'est là par où on rentrera, à la base. Donc j'en étais du coup à là. Alors on va mettre donc un pulvériseur, on peut mettre n'importe où, on s'en bat complètement à la race. Un magma principal non, un munition de finesse oui. Ça change les couilles encore une fois, merci. Et c'est bon. Ensuite aléatoire, est-ce que c'est le bon? Non. Est-ce que c'est le bon? Oui. Celui-là c'était pour ça. Et celui-là pour ça.
Ah nickel, j'ai bien trouvé. Alors là du coup on fait vraiment tous ensemble. Le mec au mec possible du coup on va lui foutre directement sur. Attendez. Ça. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez comprendre. Et à côté, ici sur un autre endroit, et surtout espacé. Bon, surtout que ce soit espacé. Donc du coup il va falloir aussi des ME interface. ME interface. Ok. Graves en 10. Je me fais pas chier. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Normalement tout est automatisé, il n'y a pas de problème. Je regarde vite fait, ouais, pas de problème du tout. Il va falloir ensuite, en fait là du coup je vous montre vraiment pour les comment faire construire. Parce que il y en a qui viennent en cours de route, hein, ce qui est normal. Et du coup il faudrait un peu expliquer comment tout ça marche. Bon, j'ai pas envie de tout retaper niveau du système ME parce que c'est quand même assez long à expliquer. Et j'ai pas envie de passer une autre vidéo là-dessus. Donc je vais faire ça un peu utile, quoi. Ici c'est un import bust, c'est parfait. On s'en bat. Mais en gros, système à plus stick, ça sert à faire des crafts auto, en fait. Ici. Voilà, nickel. Normalement il y a besoin de ça, de toute façon au pire je crois qu'on en a en bas, je sais même pas pourquoi j'en prends ici. Voilà, on les a encore ici quand vous voyez. Le mieux serait quand même de pas les perdre. Dans l'eau. Voilà, nickel, on va faire donc pareil avec ça. Surtout le Tessera qui est assez rare et c'est assez casse-couille hein, à faire. Bon, ça va être automatisé bientôt, mais bon, c'est pas encore le cas. Et c'est vraiment ce qui transporte l'énergie. Alors, c'est vraiment le truc de base qu'on utilise au début, quoi. Enfin, pas au début parce que ça coûte assez cher, mais pour bien faire un système bien compact, c'est vraiment le truc de base. Alors, on en était où? On était donc à là. Donc, oui, des basiques, ça rame du coup d'avoir des. Ah, j'ai quand même eu des précisions. Tant qu'on a des précisions, on met des précisions. Les précisions sont meilleures que les basiques. Pourquoi? Parce que on peut mettre des items précis, mais ce n'est pas le but. Ce qu'on veut surtout, c'est que ce soit rapide, parce qu'on peut sélectionner par stack en fait avec les précisions. On peut vraiment sélectionner que les items sont bien dans le système par stack. Ce qui est la chose la plus utile au monde. Alors, tac, on va reboucher un peu. C'est pas très beau là. Même si j'avoue, tout en bas, quand on sera en bas, ici, ce sera pas très beau, mais je vais essayer de gérer ça. Ensuite, avec des mini-blocs ou une merde dans le genre. Il nous faut aussi, encore une fois, un liquid transposer. Est-ce que j'ai l'autocraft d'un liquid transposer? Liquid, oui, j'en ai même en réserve, c'est parfait. Sans oublier que maintenant, il faut aussi relier tout ça ici. Alors, j'ai pas assez de câbles, je vais en prendre. M câble, c'est parfait. On va chercher, on va directement relier ici. Ah, ici, voilà, tout est relié. Il nous faut ensuite deux émulateurs interface. Ok, pourquoi il n'y en a qu'un seul qui a été crafté? Parce que les autres ont été annulés, d'accord, super. Le craft aura presque terminé. Ah, bah non, de toute façon, je joue pire, j'en ai un autre, donc ça va être nickel. J'avais pas vu. Voilà, tac tac. Donc d'abord on va vraiment s'occuper de ça au début. Donc ici, si on se rappelle bien, il y avait donc ça. Voilà, c'est parfait. Ici, il faut aussi les moteurs d'énergie, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'ai commencé à oublier à faire. Alors, tac, on reçoit Quarry. C'est là où j'ai toute mon énergie. Ensuite, on alimente avec les petits câbles. Parfait. Sauf ici, mais bon, merde. Shit, un bloc en moins. Redstone, hop là, j'ai toujours des câbles en réserve. Au pire, j'en crafterai. D'ailleurs, ouais, il faut aussi que j'auto-craft ça, mais encore, c'est aussi facile. Quel est le lest? Tac tac, on recommence du coup, Quarry, on reçoit. Hop là!
Et du coup, toute l'énergie qui est donc de là-bas. C'est que c'est un peu chiant de sortir d'ici. Toute l'énergie qui est donc utilisée grâce à la lave va donc ici, et ici, et ici, et ici, et ici, enfin partout. J'en ai un peu. Donc, vous voyez, du coup, toutes mes machines sont. Ah oui, d'accord, ont été alimentées très rapidement. Sauf elle qui n'a pas du tout été alimentée. Pourquoi? Vérification. Parce que, d'accord, je sais très bien. Je n'ai pas. Voilà, là c'est beaucoup plus rapide. Attention, on regarde. Voilà. Ça se recharge rapidement, et croyez-moi que ça descend très difficilement. C'est rarement que ça utilise beaucoup. Donc, nous étions donc à là. Maintenant, faut aussi voir par où est-ce que ça sort. Non, on veut que ça sorte par le haut. Par le bas plutôt, et que ça rentre par le haut. Donc, le haut, on va bien vérifier ici. Le haut, c'est donc ici, on est sûr. Changer, voilà, le haut c'est ici et le bas c'est ici. Donc le reste on s'en bat les couilles, on va même les enlever, hein, écoutez. Et pour être sûr que le bas soit bien le bas, qu'on sait pas courir aussi, on va regarder. En enlevant ça, et on s'est bel et bien gouré, donc heureusement qu'on a regardé. Voilà, donc attendez, c'est de ici alors. Ouais, c'était bien là, d'ailleurs, je suis... voilà. Pas grave. Ok, fuck you, bitch, à vous faire foutre. Merci. Hop là. Donc, M interface, on fait ça, nickel. Donc, c'est pas compliqué. Là par contre c'est un peu différent. Parce que c'est le même accessible. Donc lui, c'est quasiment pareil. Le bleu, ici. On enlève ici, ici. Ici on met les deux. Voilà, parfait. Ici nous allons donc mettre les deux en haut. Attends. Attends, il y a plein de couleurs sans déconner. Voilà, ici. Et voilà, parfait. Ici donc on s'en bat les couilles complètement. Là ici on verra ça plus tard, c'est juste pour la suite. Donc si par exemple on veut que ça automatise ça. Il faut donc en fait, on peut carrément enlever celui-là d'ailleurs quand j'y pense. Attendez, vous allez voir. Export. Et on va donc faire en sorte qu'il exporte que les underperles. Under 8, c'est parfait, c'était parfaitement 8. Écoutez, toutes les underperles, tout ce qu'on aura comme underperle sera toujours là dedans et il ira toujours du coup de ce côté là sauf attendez, il faut faire ça comme ça. Ah oui, merde, voilà, parfait. Et là, du coup normalement si tout marche bien, ce qui ne fonctionne jamais évidemment, ça devrait aller ici. Merde, c'est par où l'entrée là dedans là, sans déconner. Pourquoi ça marche pas? Bon, attendez, deux secondes, ouais, je reviens. C'est tout con, on va juste faire ça, tout simplement. Et là, ça se remplit. Du coup, qu'on va ordonner que du coup, il y a une unité de Tesseract qui vient dedans, il va avoir un Tesseract exemple. On va donc crafter des Tesseract Frame. Tesseract Frame, voilà, parfait. On va en crafter 20 parce que ça utilise énormément. Ça, on va les enlever. D'ailleurs, on va, ouais, pareil, on va dire qu'on va en crafter 20. Donc, on va suivre le craft à côté. Comment ça se passe? Est-ce que si tout marche nickel? D'accord. Ok. Et ça ne sort pas, d'accord. Super, merci beaucoup, ça m'aidera. Je vous nique la gueule. Nyeh. Ah oui, sinon, pff, quelle connerie, putain. Je vais complètement oublier ça. Oh putain, le con. Désolé, petit fail de ma part. Juste relis là et c'est bon, c'est posé maintenant. Et pourquoi vous voyez que ça ne sort pas? C'est normal parce que du coup faut reset la commande, parce qu'à chaque fois qu'on fait un qu'on alimente autre chose en fait dans le système ME, qu'un nouveau quelque chose qui est alimenté, ça reset absolument toutes les commandes. Donc on dit Tesseract, qu'il nous faut donc 20 comme ça. Donc niveau des crafts, ça doit se faire tranquillement, voilà. Et dès qu'on va en avoir un, normalement il devrait directement se foutre là-dedans.
Voilà, et là, vous voyez, c'est déjà commencé à faire des unités de Tesseract. Et les unités de Tesseract servent à faire tous les différents types de Tesseract, que ce soit liquide, item ou énergie. Ce qui est donc parfait parce que du coup, ça fait absolument tout. Donc voilà, ensuite, niveau de la suite, ça va être très très simple et plus rapide. Hein. Je suis un peu full, mais c'est pas grave, ça devrait le faire. On va prendre tout ça. Et on va donc générer de la cobble. Mais beaucoup de cobble. Je te récupérais? Évidemment que non. Et je m'en bats les couilles en fait. Voilà, donc on va aller là-haut. Ah si, vas-y qu'un beurre. Si, je dois récupérer. En fait, ce qui se passe avec les Inius Extruder, c'est que ça peut générer de la cobble à l'infini, ce qui est complètement parfait. Parce qu'on a toujours besoin de la cobble. On dirait pas, mais c'est quelque chose de bien, parfois. On appuie sur F7 pour voir s'il n'y a pas un peu. Non, c'est bon. Donc on va faire des rangées de 10, tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc ces deux-là, on s'en bat les couilles. Allez, vous en, fuck you, bitch. Comme d'habitude. On va mettre tous les autres. Ok, donc normalement ça devrait être bon en fait par rapport à ma consommation de cobble. On va donc mettre ça. Parfait. Et par contre en fait bon, ça va être un peu chiant ça par contre, donc je vais quand même faire une petite pause. Je vais mettre de la lave et de l'eau à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc je vous explique. À la base, XMO Extructeur ne sert pas qu'à générer de la cobble en fait. Comme vous voyez, il peut aussi générer de la stone et de l'obsidienne. Mais malheureusement, la stone et l'obsidienne consomment de la lave et de l'eau. Donc si vous voulez en générer infiniment, il faudra nous générer infiniment de la lave et de l'eau, ce qui est logique. Mais un autre truc qui est plutôt sympa, c'est qu'on peut générer... Enfin, quand on génère de la cobble, ça n'utilise ni de la lave ni de l'eau. Et ça en génère toujours. Comme vous voyez à l'instant, donc c'est complètement overshit, faut le dire. Tout ce qui ouais, ça c'est nickel. Donc, du coup, on va complètement tout relier. Hop là, on va relier du coup les deux ici, là, et on va donc relier au système par ici. Si j'ai assez de câbles, par contre, j'avoue, je suis pas très sûr là. Bon, aussi, au pire, j'en crafte facilement et rapidement, mais bon, ah, si j'en aurai assez. Voilà, parfait. Donc maintenant, vous pouvez voir que normalement, il devrait y avoir un peu moins de cobble. Attendez. Est-ce que ça a marché? Évidemment que non. Ah oui, c'est parce que j'ai parlé ici. Voilà, parfait. Et là, normalement, 32, 32. Voilà. Vous voyez qu'en fait, toute la cobble s'en va. Et elle s'en va où? Elle s'en va dans le système là-bas. Donc dans... Enfin, alors, elle vient dans le stockage. Donc quand on regarde la cobble, là. Faut voir qu'elle augmente en fait. Nous avons de plus en plus de cobalt. D'ailleurs, c'est une vitesse vraiment affolante quand on regarde bien. Et du coup, vous vous demandez à quoi servir, va servir toute cette cobalt. En fait, c'est très simple. Toute la cobalt va servir donc à créer du scrap. Et le scrap va donc servir à créer de l'allumateur. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Cette fois, ça sera la véritable fin. Donc, vous allez voir qu'à la fin, vous avez vu qu'à la fin, c'était un peu plus long. C'est pas parce que j'aime pas du tout faire un épisode très court, hein, c'est pas du tout. Voilà. Et sans rien du tout de choses dedans. Donc du coup là vous savez vraiment comment bien faire le système. J'ai fait ça devant vous. Parce que j'ai fait ça en même temps de déménager. De toute façon c'était un peu maintenant le seul moment où on peut faire ça. Voilà, donc cette fois j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit like, un petit commentaire pour les petits commentaires. Pour si vous avez quelque chose à dire, n'importe quoi, n'importe où. Voilà, tranquillement. N'hésitez pas à partager, c'est vraiment le plus important, s'il vous plaît. Allez, à plus.